Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous parler d'un petit outil que j'ai fait. Bon, voilà, alors là en l'occurrence, ce n'est pas celui-là, mais ça, c'était une pompe pour distribuer, un ensemble de pompes pour distribuer de l'huile essentielle. Voilà, bon, les gens s'en servaient pour sentir des fois quand je ne les voyais pas faire. Donc, certains me fermaient les purges en haut et puis pompaient. Puis, il y a eu quelques accidents. Ça fait verser l'huile essentielle directement par terre, quoi, normal, enfin, voilà, enfin, par terre, sur le support. Donc voilà, donc j'ai mis des petites coupelles pour faire sentir les huiles essentielles avec des touches à parfum, mais c'est un peu le bazar parce que les gens mélangeaient les neuves avec les usagers, enfin tout, c'était du n'importe quoi. Bon, on était même obligé de mettre un petit panneau pour ne pas leur dire de toucher les pompes. Voilà, chose que souvent ils ne voient pas. Alors du coup, je cherchais une petite orgue à parfum comme on trouve, une orgue à senteur comme on voit dans certains endroits et tout, et j'arrivais pas, enfin dans certains musées, j'arrivais pas à en trouver. Je sais pas qui c'est qui fabrique ça. Du coup, j'ai décidé de me le fabriquer. Donc j'ai trouvé tout le matériel qu'il fallait pour. Donc voilà, je l'ai fait en cuivre. Bon, j'en avais, donc voilà, j'ai fait un cuivre. Et ceci fonctionne avec des ampoules, 4 ampoules. J'ai fait pour lavande fine bio, j'ai fait pour lavande fine AOP, lavandin et lavande aspic. Bon, on pourrait très bien mettre autre chose, hein, menthe, eucalyptus, rose, on met ce qu'on veut comme huile essentielle, quoi. Voilà, les petites pompes. Alors, je vais vous faire tourner, fonctionner. Voilà la petite pompe. Bon, il faut voilà ce que ça donne sur la lavande AOP. Bon, de toute manière, ça donne pareil partout. Le lavandin aussi, on le voit bien, on voit bien la vaporisation qui se fait sur sur l'aspic pareil et sur la fine bio idem. Donc voilà, je les ai disposés de façon crescendo de gauche à droite, donc les plus fines au départ, et puis là, on va enforcir ça. J'ai mis des tubes pour mettre les fleurs qui correspondent aux essences qui sont à l'intérieur. Donc ça donne un petit visuel assez sympa sur quelle fleur et quelle essence et quelle odeur, et quel parfum plutôt. Voilà, bon, ben, j'ai pas d'AOP, j'ai pas de lavande aspic, c'est pas trop la saison. Voilà, donc voilà un petit outil que je me suis fait pour quand on vend, j'ai les huiles essentielles juste à côté de lavande AOP, bio, lavandin, aspic. Bon, voilà, et donc si on veut, au lieu d'ouvrir les flacons pour sentir, on peut directement sentir à côté. Voilà. Donc c'est, je comptais, je voulais vous le présenter parce que ouais, ça me fait plaisir, quoi. C'est vraiment quelque chose que je pourrais construire à la demande aussi en mettant une, deux, trois, quatre, hein, mais on peut aller à 5, 6 ampoules, c'est pas un souci, ça, voilà. Donc sachez que je peux les fabriquer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.